Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, moi aussi ça va très bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu à l'instant, je fais une vidéo pour vous donner des conseils pour comment avoir un ordinateur qui marche bien comme il faut, qui est utilisable, voilà, comme je l'ai écrit. Il faut tout d'abord avoir un logiciel de sécurité, voilà. Payant ou pas, c'est pas grave, ils sont toujours aussi bien. Sur Windows, eh bien, il y en a déjà un qui s'appelle Sécurité Windows, qui est très bien, je m'en sers. Il marche bien comme il faut. Sur Mac, c'est intégré au système, il n'y a pas besoin d'en rajouter un, c'est très très bien sécurisé, mais vous pouvez toujours en rajouter un. Mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Le système, passons au système, comme je l'ai dit. Alors, il faut au moins, moi je dis qu'il faut au moins 30 gigas de mémoire de stockage libre pour que l'ordinateur marche bien, sinon il n'a plus assez de mémoire et vous ne pouvez plus rien faire avec, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Après 4 gigas de mémoire vive, pour que l'ordinateur puisse fonctionner et ne pas ramer à mort, que ce soit horrible, fonctionner quoi. Et un bon processeur. Maintenant, on va passer aux applications, des applications essentielles pour moi, des applications de tapement de texte, pour ouvrir les PDF, pour avoir des PDF, et pour lire des vidéos. Ça aussi, c'est essentiel quand même. Alors, pour le tapement de texte, j'ai pris Office, qui est payant bien sûr, mais qui est très très bien. Le LibreOffice, qui est gratuit, comme il le dit dans son nom du libre, qui est bien aussi, il est bien. Et OpenOffice, qui est aussi un bon logiciel gratuit. Après, pour les PDF, j'en utilise qu'un seul, c'est PDF Exchange Viewer, qui est très très bien, qu'on peut faire plein de choses avec, gratuit bien sûr, mais on peut avoir la version premium, mais je pense que c'est pas si utile que ça. Après, l'application pour les vidéos, c'est VLC Media Player. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé, likez bien, abonnez-vous à ma chaîne. Et regardez les autres vidéos précédentes.